Peggy 18. D'accord. Ah bah putain, y a plus grand chose, hein. Oh, bonjour. Voyez comme c'est dégueulasse. Il reste plus que le tronc de cette pauvre araignée. Bien crade, allez hop. On pousse une testicule géante, parce que vous voyez, c'est une testicule géante et rien d'autre. Celui qui me dit que ça ressemble à autre chose, ben, faut qu'il change les yeux, ça ne ressemblera qu'à testicule géant. Et attention, Bien crade, du jus de testicule. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un piaf et une caisse. Une autre caisse, ok, très utile. J'ai presque cru que ça allait me casser, enfin, que la caisse allait me tomber sur la tête. Ah non, d'accord, c'est juste pour monter dessus, ok, elle est partie. Ah merde! Je suis tombé. Alors vous verrez, si je ne dis pas de bêtises, on ne va pas rester totalement dehors. Enfin, il y a des moments où on va dans des intérieurs, dans d'autres décors, quoi. Hop là! Oh shit! Si je saute, ça fait quoi? Oh, oh, oh! Incroyable! Oui, ça se voyait, la corde était légèrement abîmée, et puis de toute façon, je me doutais que c'était pour aller à droite là-bas, parce que ça se voyait que c'était pas assez haut. Hop là! Là, on rentre dans une caverne. J'allais dire, il y a l'araignée qui va arriver, mais non, parce qu'elle est morte. Vous voyez, on voit des espèces de trucs dans l'eau là. Vous les voyez? Ça ressemble à des espèces de larves. Vous allez voir, c'est assez dégueulasse. Oh merde! J'aurais dû rester dessus. Vous voyez, c'est un homme, un humain. Il y avait une espèce de larve dans la tête. Tout simplement parce qu'en fait, ces larves, c'est quelque chose d'assez dégueulasse. Vous verrez ça. Oh, c'est quoi? C'est un rocher, ça. Oh! Oh oh oh! Oh oh! Oh! Oh. Ah, je sais. Est-ce qu'on peut le tirer, lui? Oh, énorme. Enfin non, c'est crade, mais bon. Eh, mais... Enfin, pas, je vais le tirer quand même. Délicieux. Oh là 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 là. Vous voyez comment ça sent la merde là? D'accord, j'ai rien dit. Alors ça aussi, ça sent la merde. Hop! Le baisse-gueule, franchement, c'était le baisse-gueule quoi. Parce que vous voyez, on pourrait croire que c'est la plaque du milieu qui fait tomber. Donc du coup, on se dit, voilà, je vais... éviter la plaque du milieu en fait en se baiser. Donc là c'est l'inverse j'imagine. Voilà. Ça va être trop simple. Oula. Ah non mais qu'est-ce que vous foutez? Ah putain je m'étais pris une flèche dans la tête. Oh non ils font... Oula. Je veux dire c'est le même que tout à l'heure ça. Ok. Donc j'imagine tout bêtement qu'il fallait éviter leur flèche et repartir en arrière. Donc on va le refaire. Tac tac. Hop, on se casse. Ah, ils vont se faire baiser. Ils vont se faire écraser. Ah, voilà. Fallait se bien du... Voilà. Je m'en doutais un peu, en fait, qu'il fallait faire ça. Du coup, en fait, faut se souvenir dans l'ordre. Et c'est ça qui est assez difficile. Parce que même moi, j'ai hésité, je vous avoue, quelques secondes. Au dernier, je me disais, putain, c'est la plaque du milieu, c'est le tour. Je me souvenais plus. Vous remarquez que les gens sont agressifs ici, hein. On n'a rien fait, on a demandé à personne, on est
était en train de dormir dans une forêt et puis oula. Et puis on se fait là on se fait agresser par tout le monde là. Voilà, donc ça fait partie des choses où il faut se dépêcher parce que vous voyez. Oh là là, il y a une espèce de. Si on peut, un compteur. Je pense que je me suis chié parce qu'en fait je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Vous me direz. Bah, à quoi sert alors cette espèce de truc? Ah, rien? Y'a rien là? Bah oui. À quoi ça sert? Bon bah ça sert à rien en fait, c'était juste. Voilà, j'en sais rien, du coup bah je vais y aller comme ça. Peut-être qu'on tombe, sinon bah non, j'en sais rien. Bah alors. Ça sert vraiment rien du tout. Oh là là. Ok. Donc d'ailleurs, attendez, vous me direz, il y a quoi en dessous? Il y a quelque chose? Non, il y a rien. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une utilité avec le truc d'en haut en fait. Non, je crois pas. Ah putain, j'ai trouvé. Vous allez voir. Enfin, je suis pas sûr que ce soit ça, mais. Je pense en fait. Faut arriver à faire ça, monter là-dessus, faire ça et voilà, bingo. Hop, on tire là-dessus, on tire là-dessus. Oh, c'est juste. Oh, c'est juste. Voilà, c'est passé. Oh, et j'entends. C'est quoi ça? C'était un lapin? Enfin, un lapin, vous voyez, dans ce monde, j'aurais plutôt dit un lapin mutant dégénéré. Et ça, ça sent le caca. Oh là là! Obligé! Oh putain! Je contrôle plus rien, les amis, je ne contrôle plus rien, je ne contrôle plus rien. Ah, ça y est, je me souviens maintenant. Alors, si je dis pas de bêtises, en fait, je ne peux plus m'arrêter. Vous voyez, maintenant, je marche tout seul à l'infini. Si je touche à rien, je peux juste ralentir et accélérer. Et si je dis pas de conneries, je crois que ces bestioles là, en fait, c'est pour se faire. C'est pour qu'elles bouffent notre truc, en fait. Vous allez. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait, quand je passe au soleil. Ah non! Non! Mais j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Donc je disais, oui, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, quand on passe au soleil, ça fait un peu cuire la. Le vert, je sais pas trop comment on peut appeler ça, ça lui plaît pas trop et du coup il change de direction. Et donc en fait là les bestioles qui est au plafond elles bouffent ces espèces de vert. Et du coup j'ai compris ce qu'il faut faire. En fait faut passer par dessus la caisse, se griller la tête au soleil, voilà, revenir, pousser la caisse, monter sur la caisse et se faire bouffer le vert. Voilà, incroyable. J'ai jamais autant aimé des espèces de bestioles au plafond autant que maintenant. Oh, encore une vieille énigme. Alors on essaye. Qu'est-ce que ça fait que se tirer ce machin? Rien du tout. Et dans l'autre sens. Rien du tout. Comme ça au moins c'est fait. Alors un crapaud. Bonjour. Voilà, t'es parti. Qu'est-ce que je te dis? Attends. Alors ça, j'imagine que je peux tirer dessus. Ok. Ah ok, d'accord.
J'imagine qu'il va falloir faire venir quelque chose et puis tirer dessus, peut-être. Je sais pas trop. Hop, on s'accroche à ça. D'accord, mais c'est quoi ce machin en fait? Ah oui, ok. Cette nulle ici, donc si je saute dessus, ça va tomber. Non, c'était pas ça. Donc, faut faire quelque chose avec ce crapaud. On va attendre, on va voir ce qui va se passer. Non, d'accord, donc en fait, faut vraiment y aller direct, quoi. Voilà, enfin un scrapaud, je sais même pas trop ce que c'est. Lol, l'esclavage. Ok. Ce n'est absolument pas suspect et ni bizarre, mais tout va bien, tout va bien. Maintenant il pleut à grosse goutte. Ah bah donc j'imagine que ça va être de la flotte en dessus. Ah c'est évident. Il va falloir passer en dessus de la flotte. Ah il y a un trou donc ça va. Là il y a une espèce de pont qui va se lever, ça se voit là. Ah d'accord il se lève pas, ok. Bah du coup comment je lève, c'est pas un pont ça? Ah ok ok ok. J'imagine qu'il fallait d'abord lever le machin et après remplir de flotte. Ah non, c'est pas un truc qui se lève. Ah bon, bah en fait, faut déplacer le tronc, faut le mettre au milieu, je pense. Par là, ça devrait le faire. Hey guys! Monte! Voilà. Vous remarquerez que la Terre absorbe très vite la flotte, hein, parce que la flotte s'est barrée en 10 secondes. On va attendre que ça monte au plus haut. Voilà, ça devrait être bon. Hop, on saute. Tac, 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 tac. Et c'est good. Alors déjà ça, ça sent la grosse merde où on peut pas aller dedans j'imagine. D'accord. Au moment où je dis ça, je tombe dedans mais comme une gouze. Sauf que j'arrive pas à voir jusqu'où l'eau va en fait. Ah d'accord, c'était une... Ok. Ok, ok. Ok. Donc maintenant, les espèces de trucs qui rampent comme ça, là qui tombent, ce sont des échelles, voilà. Vous le saurez. On dirait une vieille station d'épuration de l'eau, ou je sais pas trop, une usine. Alors, on va pousser la caisse. Toujours une caisse, on la pousse, on sait pas à quoi ça sert, donc on la pousse. Je vois un truc au plafond, deux trucs. Oh non, non, non. Je crois que ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Dans le trailer, ça l'est, ça. Ça y est, pardon. Alors, attendez, si je dis pas de bêtises. Va falloir mettre ça par là, là. Ouais, ok, ça y est, je crois que j'ai compris, ça se voit. Il faut tirer ça. Monter. Courir, 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 courir. Tirer ça. Laisser passer la caisse, monter l'eau, hop, aller sur la caisse. Jusqu'à l'échelle. Bien évidemment, je savais pas que ça allait se passer comme ça, mais... Enfin, je m'en souvenais pas, mais bon, ça me semblait assez évident. Donc là, c'est la même chose. Hein. J'imagine qu'il faut attendre que l'eau monte. Bon, oh, je vais peut-être la pousser un petit peu plus, sinon je risque de me prendre dans le coin du mur. Non, elle se barre. Je risque de me prendre. Oh là là, ça coule. Ah, et d'accord, c'était ça. Je croyais que c'était un dessin sur la caisse, mais non, c'est qu'elle était percée. Hop là. Ne me demandez pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Faut tirer très certainement. Il y a quelque chose qui va monter. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que je vois des choses là-bas. Ah putain, j'ai trouvé. Merde, ça va être trop tard.
j'ai perdu. Voilà, donc j'ai compris ce qu'il fallait faire un peu trop tard. Je sais pas si vous avez compris, vous. En fait, il faut... vous allez voir. Il faut tirer cette merde. Vous avez vu, à un moment, le ballon, il a sauté en l'air, il a rebondi. Enfin, si on voit, c'est pareil. Et c'est à ce moment-là, faut refermer, pousser le ballon à droite, pour qu'il, après, avec l'eau, j'imagine... Voilà. Vous allez voir. Après, avec l'eau, j'ai... J'ai failli mourir comme une merde. Normalement, avec l'eau, après, il va monter la plaque en bois qu'il y a à côté. J'ai peut-être un peu trop poussé, par contre. Non, ça va. Voilà, le ballon rentre pile dans la caisse. Impeccable. Oh, yeah! Je crois que ça se barre un peu trop loin, ce serait con. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc on va tout tester. Il y a un interrupteur, moi je veux partout. Allez, vas-y, tire-moi ça. Ok, ça fait de la flotte qui s'en va. Ça fait monter une caisse. La caisse, on monte dessus. On monte là dessus. On tire. Putain. Ça va, c'était pas extrêmement simple. Ok. Extrêmement compliqué, je veux dire. Hop, donc on se dépêche. Non. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Peut-être que c'est une sorte d'évacuation de l'eau. Voilà, comme ça, par exemple, je bloque l'eau à côté. Donc elle peut pas, on va dire, on peut pas en rajouter. Comme ça, ça s'arrête ici, donc je peux toujours passer. Voilà. Merde, je suis tombé. Oh merde, faut que je recommence tout. Eh mais du coup, attendez. Du coup... Non, j'ai rien dit. C'est pas encore assez haut. Faut que j'aille libérer la flotte... Ouh là là, c'est des limites. Faut que j'aille libérer la flotte ici encore. Normalement c'est ça je pense quand même, non? Oh, de toute façon vous me direz, il y a que deux interrupteurs, c'est pas c'est pas la mer à boire. Oh, quel jeu de mots. Donc voilà, donc on ferme comme ça, on n'en parle plus. Hop, je reviens là, je saute, je tire. Bah ouais. Ok. Ça se trouve, j'ai vu le problème à l'envers. Peut-être qu'il faut plus de flotte là-bas. Merde. We'll be right back.
Et voilà les amis, la solution était d'une telle simplicité que moi-même je baisse dans ma propre estime. Donc, ouais, parce qu'en général les ennemis avec l'eau c'est pas mon fort.